Salut YouTube, bienvenue dans cette VOD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier épisode potentiellement, dernier épisode, je pense qu'on peut y arriver. Si on arrive à atteindre cet objectif de monter cette barre de 65 jusqu'à 100, alors l'objectif principal de Mountain Blade de Battle Nord sera terminé. La quête principale sera finito. Avec ça, on aura terminé une campagne dans laquelle on n'est pas mort une seule fois sur le champ de bataille. C'était tout le projet de la campagne. Pas une seule fois on est mort sur le champ de bataille. Peut-être qu'on y arrivera. Peut-être qu'on va mourir avant la fin, j'espère pas. On va aller faire ces batailles. Et on va avoir terminé le jeu du côté de l'Empire. J'ai déjà terminé le jeu une fois depuis qu'ils ont rajouté les cinématiques de fin de côté de la destruction de l'Empire. On se bat contre l'Empire. Maintenant, l'Empire. On va découvrir la cinématique ensemble. Je ne me suis pas spoilé. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Note à moi-même. Avant que la cinématique arrive, il faut retirer les musiques du jeu. Sinon, on a potentiellement la musique du jeu qui tourne en arrière de la cinématique. Il y eut l'an 1. Et puis l'an 2. Et puis l'Empire. Ah, les inconnus, c'est quand même quelque chose. Hein. Quand même quelque chose. Hein. Quand moi j'étais petit, c'était déjà outdated. C'était déjà périmé. Non, pas périmé, c'est faux. C'était déjà plus à la mode, quoi, disons. Ça faisait longtemps que c'était sorti, voilà, disons comme ça. Louis, croix, V, bâton. Allez hop, on sépare la cavalerie en deux parce que là j'en ai trop. Pas possible de faire des charges avec ce bordel. Madame. Bof. Monsieur. Sans plus. Allez quand même, pas mal. Augmentation de la vitesse de déplacement de la monture. Pourquoi pas. Allez hop. Voyons voir ce qu'ils m'ont ramené avec leur grosse armée, là, hein. Leur grosse armée, ils ont plus grand-chose, de toute façon. Ça, c'est leur plus grosse armée qui peut sortir. On a combien de troupes sur le champ de bataille? Grâce au mode Battle Size, on en a 1800. 1600, pardon. Je dis n'importe quoi. On a faim. Eh bien, il faut manger. Eh bien, il faut te forcer. Oh là là! Regardez-moi ça! La fière armée vlandaise qui se dresse face à moi! Mais ils ne le savent pas encore! Mais ils sont déjà morts! À la charge! C'est trop stylé avec la vision comme ça! Genre beaucoup trop! Alors attends, je vais pas mourir comme ça quand même! Oh la vache! Oh la vache! Attendez-moi les copains! Allez-y, lancez-leur tout ce que vous avez, les chaussettes, des poils! Faut la frire, hein! Allez! Ok! Tout le monde! Avec moi! Chargez! Aïe! Avancez! Oh la vache, putain! Je veux pas mourir! After
Ils ont failli m'avoir les salauds là. Oh putain. J'ai serré les fesses hein. Parce que j'étais en première ligne face à tous les archers et que j'étais à ce niveau de vie là, Ouh. Pour rappel, pour tous ceux qui savent pas, j'ai un mode qui fait que si j'arrive à 0 HP, mon personnage meurt et c'est la fin de la campagne. Le mode ne fait pas que c'est la fin de la campagne, mais en tout cas j'ai décidé que si mon personnage meurt, c'est la fin de la campagne. Le mode fait que je ne peux pas avoir 0 HP une seule fois sur un champ de bataille. Prisonnier. Prisonnier. Oh, Captain, alors ça se passe bien. Ça se passe. Ça se passe, on se rapproche de la fin. Pour bientôt. Là, c'est pour Soon. La cinématique de fin du jeu. Est-ce que j'ai le temps d'arriver à Véron? Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Récupère quelques prisonniers, enfin quelques troupes. On rajoute de l'influence. C'est chaud, hein. Si tu meurs, tu vas Gollum. Eh, mais je vous banne là, tous ceux qui parlent de Gollum depuis tout à l'heure. Arrêtez vos conneries. C'est que ça. Vous êtes des fous. J'ai pas été assez clair tout à l'heure. Ah non, mais Buru Banton, tu viens d'arriver sur le chat, pardon. C'est fou, pourquoi vous parlez tous de Gollum? J'ai plus le lien. Empire méridional. Non! C'est comme Gollum! On n'en veut pas! Plus jamais! Il veut jaculant, allez hop. Cadeau mec. Lui il est de culture vlandaise. Donc il facilement. Enfin il va engendrer les. Mais quoi? Mais ta mère là. C'est la mort qu'ils veulent, ils l'auront, moi. Mon dieu. Sale bête. Voilà, j'ai plus d'influence pour voter quoi que ce soit, donc... on subit des décisions diplomatiques. Les alliés sont en train d'attaquer le château ici, c'est plutôt pas mal. Oh, ils ont raté le siège. Oh, ils ont fait caca. Ils ont fait caca dans le froc. Tu veux te mettre dans le siège? Moi, y'a pas de soucis. Hein. Hop là, on va les bombarder. On va les calmos. Alors, on va voir ce que ça donne. Après, oh, j'aurais pu attaquer sans faire dame de siège. Quel dommage. Ah, bon, ward. J'ai tellement des compétences magistrales en assaut de forteresse, en ingénierie, que ça passe comme une lettre à la poste. Allez hop. Allez hop, on attaque. J'aurais pu faire un petit bélier, je l'avoue. Allez, on y va. Pardon. Non. Pardon. Non. Pardon. Et bah voilà. Ah, c'était pas si loin comme tir. C'était pas si loin, c'était pas si mal. Ok, on va faire là.
Et là. C'est de viser l'escalier. Putain, trop, quel dommage, ils sont pleins à passer là, ça aurait fait des dégâts de fou. Soldier! Quel dommage. Soldier! Under my order, follow your soldiers! On tire un peu plus bas. On tire au même endroit. Ah, au même endroit, ça peut marcher. Off. On pourrait tirer en bas à gauche là. Au niveau des échelles. Hop là, on met le bon axe un peu plus à droite pour éviter de faire du TK. Trop à droite. Et trop haut surtout. Pas évident. Mais après, il y a déjà un milliard de mégas qui sont sur le mur en fait. Donc, hormis faire du TK, j'ai l'impression que je vais pas faire grand chose là. Donc, on va plutôt tirer un peu plus haut et sur les archers quoi. Comment on est monté efficacement à la compétence de commerce SVP ? Non, plus sérieusement, t'achètes des produits, tu les revends ailleurs. Et tu fais ça en boucle. T'achètes des produits pas chers à un endroit, tu les revends plus cher ailleurs. Voilà, en fonction de la production qu'il y a dans les villages aux alentours de la ville. Voilà. Plus tu fais du profit, plus ça va te... faire de l'XP. Non. Désolé, car. C'est pour ça que vous disiez vous avez une armée d'écart. Parce que c'était lui le chef de l'armée. Non mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Oui. Putain, ta mère la pute. Dégage. J'en peux plus. C'est la fin. Merci à tous. C'était super comme aventure. Je peux plus rien faire. Non, je peux pas. Je ne veux pas. Mon bouclier va péter. Jusqu'au bout. Infantry, attack. Il y a d'autres qui peuvent venir par la gauche là. Chef Arès repense en souffle, il y retourne. Putain, mais il fallait juste faire F1, F3 et j'étais bon quoi. Parce que les mecs ils restaient sur le mur à attendre que tout le monde soit monté de l'échelle quoi. Les trous de balles de base. Putain, un carreau c'est terminé. Un carreau de chocolat c'est fini. Allez on y va les boys hein. Putain, mon épée là. Titre VOD, la fin de Jafarès. Ah là, on peut pas faire plus sur le fil pour terminer l'aventure. C'est pas fini, faut que je me concentre. Je suis en panique.
c'est qu'ils sont tellement plus, ils sont tellement plus sur le champ de bataille que ce que j'ai l'habitude d'avoir. D'habitude, quand j'attaque avec des armées comme ça, il y a 4 pecnos qui sont sur les murs. Et il y a quelques renforts qui viennent après, mais j'ai déjà mon armée qui a inondé les murs, vous voyez. Bon, j'ai bourré comme un con aussi. Oh la vache. Aïe 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 aïe. Finir la campagne là-dessus, ça a été. Ça a été quelque chose. Hein. J'ai fini à quoi 13% de vie, je crois. Ça me redonne 30%, un truc comme ça. 20% de vie. Allez, tout droit vers Jaculan. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce château là? Comme ça, c'est les impériaux, 100%. Ils sont chiants, les impériaux. Moi j'ai adoré quand tu as fui le mec bloqué qui avait rien fait. Tu t'es vengé dessus. Non, il était bloqué mais il avait un arc, il aurait pu retourner et me mettre une flèche. Donc non, je me suis pas vengé dessus, c'était vraiment... À la base je voulais le laisser, le mec bloqué dans le coin. Sauf que je suis allé l'abattre exprès parce qu'il pouvait me mettre une flèche dans le dos. Et en une flèche c'était fini. Donc non. De vengeance, même si c'était plaisant bien sûr. Il y avait plus de doute que de plaisir dans ces actions. Hein. Mais sur l'action, ça faisait vachement vengeance. Je vais bien le croire. Putain, mais il se laisse pas se faire, hein, regardez-les. Truc de fou, ils me sortent des armées de 800, ils reviennent. On est à 72, l'équilibre de guerre. Sur le fil du rasoir, on est un truc de fou. Bon, il manque des points de vie, mais tant pis. On va y aller comme ça. On va chercher l'armée ennemie jusqu'au bout d'Erter. Tu étais que l'attaque, mec. Après, bon. Ils ont pas énormément de... Ils ont beaucoup de troupes, mais à mon avis c'est que des paysans là. Vu l'équilibre des forces. Quoi, il me tire déjà dessus là? Il essaie vraiment de me buter les enfoirés. Hein. Avec un petit tir d'arbalète dans la tronche. Hein. Quoi, comme ils sont en train de me rusher. Allez, on y va! Go.
Le seigneur. Oh, c'est Derter. C'est Derter, l'ennemi final, il est là. Mais c'est le moi, non. Oh putain, l'enfoiré, ils me l'ont piqué. Ils m'ont piqué mon duel de fin. Oh les bâtards. Et voilà mon petit. Et c'est ainsi que face à la mort de son Zinik. Attendez. Il y a des soucis, Hop. Et c'est ainsi que Jafares, face à la mort de son ennemi juré Derter, se mit à sourire de plaisir, car son objectif était proche, très proche. Le nouvel empire caladien allait enfin dominer l'empire, le continent tout entier. Mais ça, c'était pour bientôt. Alors. Parfait. Jorah Jafares. Allez hop, on prend tout le matos. On emmène dans la ville les prisonniers. Hop. Bon, il faudrait peut-être que je lock effectivement les prisonniers. Non, c'est vrai qu'à chaque fois je le fais. Normalement, si je lock une fois et que la prochaine fois je reviens, il n'y a plus besoin de lock. Genre là, si je fais ça et ça, ouais, ça marche. Ça marche, mais après, si je fais. Ah, si, c'est bon, ça marche. C'est que des problèmes visuels et tout. Bon, je vais peut-être m'y mettre à le faire. Surtout quand j'ai autant de prisonniers dans mon groupe. Ok. Capitale des Vlandais. On y va. On enchaîne. Craven. Non, Galen. La ville de Derter. Je ne libérerai personne. Tant qu'ils ne ploient pas le genou, ils croupiront en prison. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un à recruter par hasard? Toujours pas, toi, hein? Je viens de déglinguer ton roi, là. Tu vas pas me rejoindre maintenant? Ah non, j'ai prouvé que c'était un incompétent. Toi non plus, tu veux pas me rejoindre? Allez, venez, on est bien. On est bien. Ils ne veulent pas. Allez hop. La grande ville. Full catapulte, enfin full trébuchet. Je sais pas trop quoi faire là. On dira une catapulte. Et full arme de siège. Oh là là, la connerie. Oh la connerie, j'ai laissé le trébuchet tirer tout seul. Il va se faire péter. Non, c'est bon. Ça passe. Est-ce que ça passe? Ça passe ou ça casse? Ça casse. Ça passe. Ça passouille. Ah, à l'âge de 11 ans, tu auras soif de savoir et tu seras une intendante née, ainsi qu'une grande sportive. Formidable. Allez, on bombarde, hein. Ah, ça passe. Ça passe pas. Putain, fiche. Allez, on bombarde, hein. On fait le job. Je veux pas une catapulte en face. Allez, vous détruisez la dernière. La dernière, pas le mur, la dernière. Voilà.
Hop, sauvegarde. Et on est parti. Pas une catapulte face à moi qui me one-shot. Hors de question. C'est bon, les Vlandais ont doublé leur territoire en envahissant le Nord. J'ai pas vu. J'ai pas vu comme ça. Hein. Ils ont vachement étendu chez les Bataniens et Sturgiens, je sais pas, mais... Mais c'était le royaume le plus puissant de toute ma campagne. Ça, c'est une certitude. Grâce à leurs extensions, quoi. Non, mais ça, c'est un groupe d'infanterie. Putain. Nick. In fact, stop, good man! Stop! Hear me! Ah oui, j'ai quand même perdu pas mal d'hommes, hein. Parce que là, on a moins de troupes, hein. On a moins de soldats en stock. Alors, chers artilleurs, laissez-moi la bête, je m'en occupe. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Beaucoup trop bas, mais c'est ridicule, vous êtes des incompétents. Voyons, il faut rehausser tout ça. Je vais vous montrer comment on fait, moi. Voilà, on tire d'abord trop court, puis trop loin, et ensuite, on trouve le bon... Hein? Mmh. Voilà, c'est simple, efficace. Où est l'infanterie ennemie? Je ne sais pas. On va tirer sur les archers, hein. L'armée avait mis 400 troupes contre 1000 maintenant. C'est vrai qu'on a pris un petit peu cher, c'est vrai. Mais c'est géré. On a pris un peu de perte contre Derter qui s'était... Il s'était chauffé le monsieur. Bien. Par contre ça pète pas le mur, je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi le mur n'explose pas. Maudit mur. Hop, on va faire monter l'ennemi sur les échelles, regardez, sur le mur. Par où est-ce qu'ils vont venir? Par la gauche? Par la droite? On ajuste. Tout droit. Pas mal. On peut faire mieux. On peut mieux faire. Pas mal. Oh là 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 là. Encore. On en veut encore. J'ai dit encore. Tire. Oh bien. Désolé les copains, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le bien commun. Un peu plus loin. À droite. Pas trop loin. Ça semble pas être des pierres que tu envoies, plutôt des pots pleins d'huile enflammée. Le mur résiste sans problème. Je crois que c'est pour un souci de RP qu'ils ont changé ça. Ok. Peut-être que le feu ne détruit pas, mais je... Enfin, avant ça marchait, tu vois, avant ça cassait, donc je me dis que c'est censé rester pareil, quoi. Mais... Oh. Je suis pas sûr que dans la logique du jeu, c'est censé être quelque chose qui résiste, quoi. Ah, il y a eu un souci, là. Tous les ennemis sont sur ce côté-là du mur, hein. Oh ! Trop loin, quel dommage ! Aïe. Après, on va pas rester à l'arrière du champ de bataille pendant toute la bataille non plus. Oh. Trop loin. Allez, Nick. Tant pis. On va se battre au corps à corps. Hé, les copains. Oh, les cons, attaquez. Oh.
L'autre côté, hein. Merde. S'il nous branle. Comme dans Astérix, émission Astérix et Obélix, avec le mec dans sa tour, là. Retournez. Attaquez. Je vais aller mettre dans, je vais aller me percher dans la tour de siège, je vais faire pareil. Échelle autour de siège, moi je dirais plutôt échelle. Oh là, oh là, oh là. Oh là les copains, oh là. Calmez-vous les copains, pourquoi vous galérez là. Venez là les copains. Ah, c'est le moment de se péter le coccyx. Non. J'ai dit non. Voilà, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui en veulent. Je vous attends moi. Il y en a un qui sort la tête, il est mort. Ça fait beaucoup là. J'ai pas peur. T'as pas peur, j'ai pas peur. T'as pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur de terminer une aventure qui a pris plusieurs centaines d'heures. Non, je sais pas combien de dizaines d'heures en tout cas, mais... toute une aventure sur mon thème de maintenant là, dans la difficulté la plus dure, avec une seule vie. J'ai pas peur. Oh là là, pardon, pardon camarade. Pardon. Oh, il m'appartient. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous me croyez si j'ai fait Alt F4? Je vous dis, je fais un... F4. C'est la première fois que ça m'arrive dans mon thème de main dans l'an. Je fais le F4. Mais j'ai jamais fait le F4 dans ma vie, moi. Genre, donner un ordre. Genre, donner un ordre et appuyer sur Alt en même temps, ça m'est jamais arrivé. C'est de la folie. This is madness! This is Alt F4! Hein? Ça vous est jamais arrivé, vous? Tu fais Alt F4? Alt pour voir les troupes et F4 pour les archers à chaque fois, putain. Et merde. Je l'ai fait tout à l'heure. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Never! Never ever! Mais merde! La VC est déjà faite! Mais fuck! Je n'accepte pas! Je ne suis pas d'accord! Tant pis. Qu'importe la ruine. On va faire. Lui là. Putain, le bordel. Là. Oh là là, il est chiant. Voilà, la catapulte là. Et on va accélérer. Allez hop. Vitesse accélérée pour la bataille. Ah, ils tirent bas parce qu'ils essayent de tirer sur le... sur la porte. Allez hop. Trop loin. On va baisser au quatrième cran. Je suis plié, je suis mal au bide. Arrêtez, arrêtez, c'est trop. Déjà que mon ego est meurtri là. Vous en rajoutez, vous en rajoutez. Moi je vais me cacher pour la fin du stream. Non, on arrête les conneries. Hop
là. Hop, hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ok, concentré. C'est maintenant. Oh mucho bueno. Oh c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Un petit peu plus loin, mais et des fois ça passe derrière le mur, un coup ça passe devant le mur, on sait pas. On sait pas, on fait notre mieux. Allez, je me prends une flèche. Ah, oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Allez, allez, do it. Just do it. Nothing is impossible. Oh, c'est pas top. Même moment un peu plus tard. Ratez, ratez. Quel est le mot de passe? Mustapha qui arrive dans le chat. Quel est le mot de passe? Lilou Dallas Multipass. N'oublie pas de commander tes archers. Ouais. N'oublie pas de leur dire d'arrêter de faire des. D'arrêter de tirer, hein. À tout moment, il va y avoir un petit ban furtif qui va partir dans le chat comme ça pour me calmer. Là. Putain. Sous le manteau, là. Personne ne le verra. À part tout le chat qui verra machin truc qui a été ban. Mais YouTube n'en saura rien. Je vais finir ce stream solo. Restez solo. Monsieur, c'est pour vous. Ensuite, on y va. Là. Hop. Allez, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Un jour sans fin, les Vlandais ont utilisé la magie noire pour enfermer Jafarès dans une boucle vouée à recommencer. Non. N'importe quoi. Je t'engage pour le prochain scénario de Marvel. Je t'engage. Super, c'est top. On continue. J'en veux plus. Tu peux m'en faire une trentaine comme ça? Non mais ça suffit. C'est plus tiré, on sait plus appuyer sur nos touches. Là je vais me faire balancer par la tour de siège, tu paries? Oh les connards. Non. Eh, chargé, j'en peux plus. Bougez-vous le cul. Avancez. Oh là. Ok, je m'occupe des archers, mais c'est pour moi. Ah ouais, viens de battre en duel. Arme à deux mains. Oh le bâtard. Oh putain. Oh ça va qu'il s'est mis à fuir parce que c'était terminé. Oh fallait bien assurer les parades là. Oh putain. Mamacita. La fin de Jafarès. Raté, vous abusez, c'était tranquille. Aïe. Il faut rater le 1v1 face à un fion, quelle connerie. Je lui laisse le temps de sortir son arme, mais quelle connerie. Il y aurait eu un Alt F4 de derrière les fagots. Ah, il fallait que je... J'ai voulu ordonner à mes archers d'arrêter de tirer, là. Non, c'est dommage. Ou alors ça. C'est pire que le métro parisien. Laissez-le moi, bande d'incompétents. Et barrez-vous. Barrez-vous, Maïgabé. Ok. Il y en a deux, ils sont morts de chute, je sais pas où, mais. Mais quelque part, quoi. Aïe. Sauvegarde. Chara, ça aurait été compliqué à capturer. Très compliqué.
L'une des, plus, des épreuves les plus compliquées de cette aventure. Sûrement. Hop. On voit les frères d'armes pour capturer le donjon. Ah, et plus de vie, putain! Attendez-moi les copains! Les copains, les copains! Attendez-moi les copains! Allez, on y va les copains! Oh là, il m'a failli m'en mettre une. J'ai peu d'HP, hein. Ah ouais. Maman. Maman. À moi, maman. Et me sauver. Ankimala? Ankimalan? Enkimala? Bienvenue. Bienvenue dans le chat. Alors, ça donne quoi de ça? 85. Ok. Ouais, bon, j'avoue, c'est pas mal le lock. J'avoue, ça va. Quand on comprend le bug, ça va. Ça peut pas être un mec qu'on peut recruter direct, ça? Un petit seigneur, un petit camarade? Pas du tout, il est de la famille de Dirtea. Aïe. Lapin, hein. Toujours les mêmes là, ils veulent pas. Hein. Absolument pas. Hein. Ils m'envoient chier. It's been a while. La boucle temporelle a pris fin. Elle a pris fin. En fait, ils ont tous des couronnes, j'ai l'impression. Dans Bannerland maintenant. Tous les persos ont des couronnes. Techno comme c'est. Comme dirigeant d'un royaume, quoi. Si c'est voulu. Je pense pas. Ok. Hop. La taverne, j'ai recruté. On est bon sur tous ces sujets. Maintenant. Ça, c'est qui m'assiège ça? Je pense que c'est les impériaux. Si c'est les impériaux, on s'en fout. C'est les impériaux. De renfort quelque part, non? Allez hop. Et on y va. 85, je dirais qu'il faut prendre un château et une ville. Donc on y va, tout droit. On gare. Tu vois, moi ça m'a marqué ce château excentré un peu proche de Charas. C'est le château avec ce clan là, avec le fer à cheval. Je sais pas. Praven ensuite. Je pense que ça va être le final, ça va être Praven. A voir comment ça se passe, bien sûr, mais... Construis vite, hein. La vache. Qui veut ça? Eh ben, pas d'objection de ma part. Prends. C'est pas... Karas, Captain. J'en sais rien. Ça, tu me reprends sur la prononciation, j'ai pas compris.
peut-être, peut-être, non, ça. Si. Ah putain, c'est Galen que je viens de prendre, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Qui veut le château? Bah lui, c'est bien. Il donne toujours des sous à tes seigneurs ou il se débrouille? Il se débrouille très bien. Il se débrouille parfaitement même. On peut faire un petit état des lieux, hein. Dans mon royaume, donc mon empire, on a un personnage riche. Très riche. Riche. Moyen. Riche. Moyen. Richesse moyenne, enfin très riche. 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 Et riche. L'argent coule à flot dans le nouvel empire caladien. C'est the place to be. N'hésitez pas à rejoindre ma faction si vous êtes intéressé en tant que seigneur. Nous serons vous accueillis. Bien sûr. Bien, les catapultes. Enfin, les trébuchets. Oh là là, il réassiège derrière. Il me triple. Il tente de me tripler. Bon. Du coup, on va attaquer maintenant. Que j'ai pas de bélier. Peut-être pas terrible. Oh, on s'en fout. Non, il y a une catapulte, j'ai rien dit, on attaque pas. J'ai rien dit du tout. La catapulte. L'autre catapulte. Bien. Hop. Voilà, et on y va comme ça. Ça ira bien. Let's go. Rejoins le côté nouveau de Calradia. On a des cookies. Tout à fait. Rejoins la nouveauté. Use the force. Infantry. Ok, tout le monde. Faites votre vie et avancez, banlieue. On y va, on y va. Je pense que ça, c'est le Raise My Torch qui fait ça, là. Le truc des bannières. Faudrait que je check. Faudrait que je check. Raise your torch, pardon. Un enfer, par contre, les flèches là, quand il neige, l'angle de tir est terrible. Oh là là, il faut tellement viser haut. Les projectiles sont moins pour 20% moins rapides en solo lorsque il pleut ou qu'il neige. Ça donne ça. Un angle de tir beaucoup plus haut à aller chercher. Et une moins grande précision et moins de dégâts. Ces conneries, j'arrive plus à tirer. Je ne sais plus faire avec toute cette fucking neige. Regardez, il me fait un sourire. On meurt en souriant. Un sourire précis, un sourire droit. Les œufs du roi. Les œufs du roi. C'est tellement dur de plus avoir les mêmes rapports de portée et tout que d'habitude. Oh, alors là, une fin de campagne sur une une trébuchée à moi qui m'éclate la gueule. Alors là, on serait au summum de ma gloire. Là on pourrait pas faire mieux. Hein.
pouvez pas charger et puis faire quelque chose, les cons là. Le fait d'utiliser le battle size, c'est compliqué pour les échelles, j'ai l'impression. Les mecs aux échelles, c'est compliqué. L'IA PTK, si tu prends un tir de baliste de... Enfin, il y a un tir d'arme de siège de ton propre camp, ouais. Ouais, ouais. Enfin, les armes de siège peuvent TK, quoi. Même de manière générale, quoi. Allez, Jafares n'est pas un homme qui reste à l'arrière à ne rien faire. Il montre au front avec ses potes, regardez. Il donne de l'entrain. Monte! Monte, sinon tu... Allez! Allez! Je suis capable d'aller prendre fort, alors il va! Y'a un problème. Un problème. Allez, défendez mon dos, défendez mon dos! Allô? J'ai envoyé tout le monde à la charge. On les a vus les archers là-bas, on les a vus. On l'occupe. Du coup je ne one-shot pas du tout là. C'est nul. Je suis inefficace. Ah, il y a des flèches là. Tu es en version 2.0, 1.2, ouais, je suis en 1.2. 1.2.3. Je peux pas passer par la porte là, elle a l'air d'être ouverte. Bon écoutez les incompétents là. C'est bien rigolo mais on a autre chose à branler. Allez on se dépêche. Mais juste tout le monde est nul en fait. Hein. C'est compliqué de faire faire le tour. Quoique là c'est possible de descendre ou pas? Ah oui. Après ouais, trop compliqué de faire le tour à un régiment lorsque tu fais un transfert comme ça. Il faudrait avoir l'option de transfert et de choisir que ce soit les troupes proches de toi qui soient sélectionnées pour le transfert, mais ça n'existe pas. Malheureusement. Là ça m'aurait été bien utile. J'aurais pu faire un gros flank, mais... Rien de tout ça au programme. C'est moi où ça freeze des fois? Le jeu, ouais, de fou. Ah ouais, y a des freezes, hein, pardon, c'est vrai que je le note pas, mais... C'est mon jeu, c'est normal. J'ai mis le jeu en battle size, et donc j'ai mis plus de 1000 troupes sur le champ de bataille, ce qui engendre des petits soucis de temps à autre. On peut aller jusqu'à 2000 troupes comme ça. Globalement les performances sont réduites avec le mode. Pas mal. Ok, le château est pris. 89. On est proche. Si proche. Bon, les impériaux ils sont pas chiés hein. Oh la vache. Il se gave hein. Ça va te donner tout le temps au même là non?
Ce que je comprends pas, c'est que l'IA peut nous contacter pour un contrat de mercenariat. À l'inverse, dans le jeu, il n'y a aucun système de messager ou de missive. On est obligé de croiser les persos cibles pour leur parler. Ce système pourrait permettre de donner des directives de gestion et de déplacement à distance. Oui, c'est sûrement quelque chose qu'ils rajouteront plus tard, mais c'est pas encore là, quoi. Mais ils ont rien annoncé par rapport à ça, mais... Peut-être quelque chose qui est prévu pour plus tard, quoi. À voir. À voir. Je ne sais pas. I don't know. Allez, on les plie. On les plie en deux. Attends, il n'y a pas un clan qui était à moi qui est en face, là? Le chef de l'armée, il sort d'où, lui? C'est pas un clan qui m'a trahi, par hasard? Ça, là. Lui, là. Lui, là. C'est pas un gars à moi, ça? Forward! Don't move! Décapité en fin de campagne. Non, bah c'est pas le but de cette campagne-là. Hein. De décapiter. Infantry! Forward! Cavalry! Soldiers! Move! Troops! Move! Forward! Ok. Cavalerie contre cela. Autre cavalerie là. Archer monté avec moi. Infanterie en charge des archers, on y va aussi. Ou alors vous. Oh là, je reconnais, c'est la bannière de mon copain d'habitude. Salaud! Où est-il? Où est-il? Ouais, tout le monde a la charge et puis voilà. On bourre dans le tas. Oh, les nuits sont obscures maintenant. Dans le game. Very much obscure. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Que je t'apprenne le respect? Hein? C'est à qui tu parles? Baisse les yeux. Ok, 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 c'est gagné. Ah non, il reste encore? Ah, c'est parce qu'il fuit les autres, il fuit. Et on peut les terminer. Voilà, très bien messieurs, bravo mesdames, messieurs. Le kill feed monochrome. Effectivement. On se débrouille bien dans le milieu, on se débrouille bien. Bon après, sur un combat comme ça, plutôt easy. Mais c'est le challenge de l'aventure, quoi. C'est, si je fais pas ces combats, c'est des chances de mourir que je skip. Si je les fais en résolution auto, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est qui? C'est la fille du roi, ça? Non? Ah non. J'ai rien dit. Il me rappelle quelque chose, c'était pas ma femme dans l'aventure de Roland. Je me rappelle plus, ça fait un petit moment là maintenant. Alors, 91. Hardcore. Levez les bras si vous êtes fort. Je sais même pas d'où ça vient ça. Alors, on y est. La dernière ville à capturer, bon Dieu. Et ensuite, notre campagne, je crois. Si
si je me trompe pas. On y est, hein. À 939 défenseurs, bien sûr. Donc on va pilonner la ville. Jusqu'à plus soif. Ou jusqu'à grand soif, plutôt. C'est de la triche, il y a de la neige. Ça les aide. J'ai appelé mes renforts. Faudrait pas que je me tape un revers terrible. Rasez-moi ce tas de cailloux. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, hein, le tas de cailloux. Quoique. Oh, je sais plus. Non, comme ça, j'ai pas. Hop. Allez, on peut placer les trois. Ça devrait aller. Bombarde. C'est sur les armes de siège qu'il faut tirer, hein, les copains. Pas du tout ce que vous faites là. Allez, on bombarde, banlieue. La dernière ville de nos ennemis. Après ça, la bannière de l'Empire dominera tout le continent. Bombardez. Ah bien. Oh. On attaque de jour, de nuit. Ah, ça va faire une bataille 1000 contre 1000, ça va être marrant. Et là, à la fin, ça te laisse à 99. Et ben, si j'attaque pas maintenant, potentiellement, parce que là, il y a un siège qui est en train d'être fait contre ici. Et on peut attaquer de jour. Non, merde, putain. Voilà. Allez, oh, les salauds. Ah, oh, j'en ai un en réserve. Ah. Oh là, non. Non, ils l'ont pas chopé, quand même. Genre, le fait d'attendre un tout petit peu, ils l'ont pas chopé, la mine. Le château. Non, c'est bon. On y va. Et là, il meurt sur le dernier soldat. En 1v1, je meurs face à un fion. Qui me met un... une feinte. Ça serait beau. Bien sûr, il faut qu'il y a la neige qui tombe, quoi. Je vois le délai, hein. Je vois le délai, hein. Je vois l'ambiance. Allez, mes hommes! Au combat! Oh là là là, là, on a une grosse bataille, là. Pour terminer. Ça envoie, ça envoie. Je tirais 2-3 coups à la catapulte et après je rejoins mes potes. On tend de pré-shot l'ennemi. Beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Tente de tirer dans le trou. Ça tombe sur le toit. Oh, tant pis. Au dernier combat, Jaffa se doit d'être avec ses hommes. À l'avant! Feu à volonté les archers, hein. On y va. Mais c'est vraiment le dernier combat. Je pense. On va voir. Avancez. Poussez, bordel. Poussez, je vous ai dit poussez.
Je sais pas, mes hommes. Chien. Allez, on flanque. Vite! Nos copains ont besoin de nous! Mon dieu, je ne sais à rien à part tuer les fuyards! Non! Butez-le! Je ne veux aucun rescapé. Oh, putain, mais on arrive de partout! On arrive de partout. Ah, ils sont encore sur les murs, les autres. Ok, ok, ok. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ça donne ça, donc. Moi, je vois la voix royale. La voix royale de Jafares. Évidemment. En avant! Vous ne mourrez pas, les bons! Je vous tuerai un par un! Toi aussi, t'en veux? C'est pas parce que t'as un arc long que tu l'utilises mieux que le mien! C'est pas la taille qui compte! Oh putain! Oh putain! Un peu trop, un peu trop, un peu trop! Oh là là, oh là là. Oh, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, tant pis. Mais ils sont tellement nombreux. Allez, on les déglingue, hein. La violence des tirs, quoi. Ils sont vraiment beaucoup trop là. Oh, ça c'est pas rigolo ça. Ah, ah, quoi? Ça vient d'où? Ça va vous? Moi je suis pas en panique. Oh là là! Où sont mes archers? Mes archers! Les archers, tirez, putain! On est incapable! Je les attire, vous tirez! Ah, c'est bon, c'est bon! C'est le moment de l'assaut! Chargez! C'est gagné! Où sont les deux derniers? Allez, allez les tuer, allez les tuer, ils sont sûrement dans un coin de tour là. Tu rejoues bientôt au jeu de gladiateur? Je me suis mis de l'eau partout. Ah bah j'ai enlevé le haut de la gourde pour avoir plus de débit, là j'ai eu plus de débit. Je jouais au jeu de gladiateur. Bah les gens ont pas trop suivi plus que ça sur YouTube, pour être honnête.
Et je pense avoir fait le tour des nouveautés, donc je sais pas trop. À voir. Montréal Man QC, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'année d'abonnement. Joyeux anniversaire. Ça n'a rien à voir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'année. Ça fera plaisir. Oh là là. Oh là 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 là. Jafares. Jafares. Il est quoi, Jafares, là? Il est content. Il est content! Car enfin, le nouvel empire domine Calradia, sa mission sacrée arrive à son terme. Dans le froid et les challenges, Jafares a su combattre. C'est un véritable combattant. Il n'est jamais mort. Oh non, toute cette conquête. Le plus grand conquérant de tout le continent est là, face à vous. Et il se fait acclamer par son empire. Yura, merci pour les 5 subgifts et merci pour l'abonnement que tu as pris toi-même. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à vous, combattants, ça fait plaisir. Merci pour les GG. Jamais mort, mais il l'a frôlé. Ah, plus d'une fois. Mais... Oh putain, 99. 99, ça va venir. Voilà. Ah non. Bon, ça va. Cinématique, on espère ne pas avoir de musique du jeu qui tourne derrière. J'aurais voulu la retirer, mais tant pis. Comment dire que la musique du jeu vient casser les couilles. Bon. Merci beaucoup, Guzzi, pour les abonnements. Allez, tant pis, on y va. On fait avec. The defeat of what came to be known as the Great Barbarian Conspiracy pulled the Calradian Empire back from the brink. The time of troubles, triggered by the death of the Emperor, came to an end. The exhausted Imperial factions made peace with each other, while the peoples of the Outer Kingdoms pledged their fealty to the banner of the Double Eagle. Few doubted that the Empire, having come so close to death, would need to change. That the laws that protect property must be strengthened so that the great families of the Empire could better defend it. For some, this new Calradian peace was a time to build. For others, it was a time to trade. J'en peux plus de la musique, là! The peoples of Outer Kingdoms would prosper alongside the Empire. Others cautioned that the Empire must remain on its guard, for the ancient jealousies, though put aside for now, would surely surface again. But for now, Calradians rejoiced that their children might enjoy a respite from endless war. And they praised the champion who conquered the barbarians and quelled the usurpers. Claimed Heaven's mandate to reunite the Empire by recovering the ancient dragon banner of Calradios. And the citizens of the remade Empire would long remember the one who ended the anarchy and delivered peace.
quand il n'y a pas la musique derrière, c'est très stylé. C'est très très stylé. Merci pour les GG dans le chat. Et voilà, Mountain Blade 2 Bandalore terminé une deuxième fois avec les cinématiques. Et donc dans son état presque voilà, terminado. Enfin, il est terminado là, juste. Il y a des nouvelles mises à jour qui ajoutent du contenu et tout, quoi. Très content, très sympa. Quelle belle aventure. Temps de jeu de campagne, temps réel, mon cul. Mon cul. Donc là, toutes les stats sont buggées parce que j'ai changé de version du jeu, je pense. Parce que là, temps réel, 5 heures, mon cul. 5 heures, c'est même pas le temps qu'on a passé sur ce live. Non, c'est justement le temps qu'on a passé sur ce live, à vrai dire. Tellement rapide pour finir, je suis en 1116. Je suis en quelle année, moi? C'est quoi la date, là? Temps de jeu. C'est où, les dates? On a accumulé des sous. On a fait moult combats. Est-ce que toutes les stats, par contre, à ce niveau-là, sont pas mal? Ça a l'air ok. 310 victoires. Une défaite. La défaite qui a déclenché l'Empire. La création de l'Empire unifié. 310 victoires, une défaite. Ah, les stats sont marrantes. Les stats sont cool. Putain. Qui s'en rappelle de c'était quoi la défaite? Dans le chat, là? Qui c'est? Ah, je sais, elle est encore là. Là. C'était quoi? 83 vidéos sur Jaffares en moyenne de 1h30, donc 120 heures de stream. Merci à Kalou pour l'information. Je pense que tu es pas loin. Ragaïa t'abandonne. Tout à fait, l'impératrice qui m'abandonne. La grande trahison qui m'a abandonné dans un fort que j'ai défendu. On n'est jamais passé aussi proche de la... Enfin si, quand même, on a eu d'autres moments, mais... Je me suis défendu. Et pourtant, on était 10 et il a fallu rendre les armes. Ma seule défaite. Je me suis battu jusqu'au bout, c'était magnifique. Plus grande bataille remportée en tant que chef, 3308. Troupes sur le champ de bataille? Ah ouais, quand même. Plus grande armée formée par le joueur, 1950 troupes. Clan ennemi détruit 0. Comment ça, clan ennemi détruit 0? Royaume détruit, tu veux dire? Héros tué en bataille, 17. Troupes éliminées ou mises en déroute en personne. En personne. 7600 troupes tuées par moi-même. Clan ennemi tête coupée, peut-être. Quand tu tues tous les membres d'un clan. Ah ouais, je savais pas ça. Ok. Héros fait prisonnier 268. 262, pardon. Troupes faites prisonnier 17 000. La vache. Jour passé en prison. 5 jours. Terrible souvenir. Finance, tribu collectée, tribu payée. Comment ça, tribu collectée, j'ai gagné autant, et tribu collectée, tribu payée, j'ai donné ça. Ça, à mon avis, la stat en collectée, elle est pétée. Par contre, en payée, ça semble accurate. J'ai donné 5 millions, non pas du tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, ça, 5 millions 100 000 en tribu. Ça, je pense que c'est accurate. Quand même pas mal, hein. Ça, c'est ce que j'ai payé pour pouvoir avoir être tranquille et pouvoir faire la campagne. Oh! Hein, c'est comme la fin de Endgame. On forge la suite. Alors bref. Nombre de compagnons recrutés, 19. Ok. Le plus de tâches résolues, 0. avec le plus d'éminations, 270 troupes tuées, Ifar. Ajoute ça à la force des combattants, ce sont, hein. Je sais pas, hein. Bon, très stylé l'artwork derrière moi, très stylé la cinématique. On n'en peut plus par contre du son, de la musique du jeu qui est en cinématique derrière. Par contre, j'ai oublié, j'ai été trop con, quoi. Empire septentrional a disparu.
Empire occidental a disparu. Empire méridional a disparu. Donc là, ils sont joints à moi ? Exactement, l'Empire est unifié maintenant. Donc ouais, ok. C'est logique que ce soit... que ce soit moi. Comme ils l'ont dit dans la cinématique, au final, l'Empire me rejoint. Et est unifié sous la même bannière. Pa, c'est stylé. Magnifique. Oh là là. Bon bah voilà. Hein. On est arrivé au bout. Bon voilà, combattant. Montre voir les forces de ton empire maintenant. Tu veux voir les forces de mon empire? Kingdom, hop, K. Diplomatie. 25 000 soldats. Enfin, puissance totale en tout cas, 25 000. Morts infligées. J'ai infligé 30 000 morts aux Vlandais. On a infligé 10 000. Prisonniers, j'en ai encore 31. Et voilà quoi. Voilà, la puissance est totale. La victoire est totale. Magnifique. Tu vois combien je gagne d'income là? 16 000 par jour. Pas mal. Et voilà, Gorbator. On est au bout. Allez hop. Allez hop. allez hop, hop. Voilà. Tac. Et ainsi... par la totalité des représentants de l'Empire... Jafarès fut couronné empereur de Calradia. On préfère laquelle? On préfère plutôt celle-là, non? Même si ça fait plus Vlande, ça. Plus Vlandais. Ça fait plus empereur. Hop là. Magnifique. Et c'est le sourire aux lèvres que Jafarès vient s'emparer de son trône à Praven. Maintenant, il peut se reposer. Le guerrier a survécu à toutes ses aventures. Il est maintenant temps de trouver le repos du guerrier. Bon ! Eh ben, c'était bien ! Non ? Très belle aventure ! Il se termine bien ! Au début, quand on a commencé... savoir... que j'allais terminer l'aventure sans mourir... fallait le faire quand même, hein ! Fallait le faire ! Sacré truc ! Je suis passé proche de la mort tellement de fois ! Mais en même temps, c'est parce que je me suis mis en danger. Sinon, c'est possible de le faire en restant à l'arrière du champ de bataille sans trop de problèmes et tout. Et en se mettant en danger, et là, il y a eu du challenge. Et ça, c'était beau. On me demande l'âge de Jafarès. Jafarès, ça a 36 ans dans la game. Encore jeune, hein. Et pourtant, tout Calradia est à ses pieds. S'il est content d'avoir commencé sur YouTube et d'avoir fini en live, un plaisir. J'ai serré les fesses avec toi plus d'une fois. Un plaisir, mais on est ensemble les combattants. Moi j'ai abandonné la guerre, elle a duré 6 ans avec 350 000 morts, presque avec tous les camps confondus, donc 4 en tout. Quoi ? Beaucoup 350 000 morts quand même. T'en penses quoi de This Land Is My Land ? J'ai fait une découverte sur le jeu. Je trouve ça très cool, mais le jeu est pas assez développé et un peu buggé. C'est dommage. Il y a du potentiel, mais c'est pas assez, selon moi. Un prochain challenge, finir l'aventure sans tuer personne ? Pas sûr. Pas sûr, mais YouTube, n'hésitez pas à me faire des suggestions sur ce que vous aimeriez voir ensuite. Potentiellement, la suite, c'est du Warhammer, en fonction de quand la mise à jour sort.
Est-ce qu'on va enchaîner avec du Bannerlord? Je ne sais pas. On va pas lancer une aventure pour ensuite passer sur Warhammer en une semaine, à voir. Bref, on va voir. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve au prochain combat. Ciao.